Donc j'aimerais commencer ce séminaire sur l'identité par un verset qui n'a rien à voir avec l'identité. Ça se trouve dans Apocalypse 4, c'est les versets 1 et 2. Et ce verset dit: Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit: Monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Alors, c'est un texte qui parle de monter ici et s'adresse à l'apôtre Jean qui est sur l'île de Patmos. En fait, il a eu déjà une vision avant de Jésus qui lui est apparu, et il est tombé comme mort, et puis tellement ce qu'il voyait l'impressionnait. Et dans les chapitres 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, c'est les fameuses lettres aux sept églises. Et puis après avoir donné ces lettres aux sept églises, eh bien, c'est vraiment un verset charnière, parce que cette même voix qui s'est fait entendre va dire à l'apôtre Jean: Monte ici, je vais te révéler ce qui va se passer, je vais te révéler ce qui va arriver dans la suite. Et c'est quelque chose d'important dans mon ministère. Je crois que Dieu m'utilise comme enseignant, et une de mes passions, c'est l'histoire des réveils. Et j'étudie les réveils depuis des années, j'enseigne sur le sujet. Vous allez voir, j'aurai l'occasion d'illustrer certains textes avec des histoires qui sont passées dans les réveils. Et je crois que je crois que premièrement, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes, en fait, la parole nous dit que nous sommes à la fin des temps depuis que la Pentecôte de l'an 30, là où l'Esprit Saint était déversé sur les disciples, c'est la prophétie de Joël où il est dit: Voici ce qui arrivera à la fin des temps. Donc depuis la Pentecôte, nous sommes dans la période qu'on appelle la fin des temps. Vous allez me dire, ça nous fait une belle jambe parce que ça dure depuis 2000 ans. Hein, c'est vrai, mais de toute façon, plus les années passent, et plus nous nous rapprochons de la fin des temps. Ça, c'est la palisse, on aurait dit autant, hein. Et c'est un fait. Donc les années qui passent nous rapprochent de toute façon devant cette échéance. Alors quand aura lieu la fin des temps? Ben, certains ont prétendu que ce serait en 2015, ou hein, je ne sais pas si vous avez entendu ça avec l'alignement des planètes. En fait, personne n'en sait rien, et moi non plus. Ce sera peut-être dans 500 ans. Ce sera peut-être avant, ce sera peut-être dans quelques heures, ce sera peut-être. On fait des vidéos peut-être pour rien du tout. Mais bon, il faut quand même les faire parce que on ne sait pas. Et il y a quelque chose de glorieux qui vient, et nous nous approchons de la fin des temps. Alors je voudrais vous dire un petit truc par rapport à ça. Je fais des parenthèses, vous allez voir, je fais beaucoup de parenthèses. J'ai remarqué, quand vous étudiez l'histoire des réveils, les gens qui vivent des réveils ont un sentiment d'urgence. Et ils sont persuadés qu'ils vivent la fin des temps et que Jésus revient bientôt. Alors c'était vrai pour le mouvement de Pentecôte, par exemple avec Azusa Street, mais c'est vrai régulièrement dans les mouvements de réveil. Les gens sont persuadés vivre les temps qui annoncent la venue de Jésus. Mais figurez-vous que c'était déjà vrai du temps des apôtres. Et la faute à Jésus, parce que Jésus leur a dit: Je reviens bientôt. Et le bientôt de Jésus, eh bien, il dure longtemps. Moi, je dis souvent à mes élèves, moi, si je vous dis à bientôt, ça veut dire on se verra tantôt, ou on se verra demain, ou dans un jour ou deux, ou vous voyez.
Mais le bientôt de Jésus, il fait quand même 2000 ans. Alors quand vous êtes à la faculté de théologie, on étudie ça, alors on appelle ça la crise de l'eschatologie. C'est la crise de la fin des temps. Et puis on s'est rendu compte que les apôtres mouraient les uns après les autres, et puis que Jésus ne revenait pas. Alors est-ce qu'on s'était trompé? Et ça, c'est une grosse question. Est-ce qu'on s'est trompé par rapport à ce retour de Jésus? Alors, dans les facultés de théologie, on dit, ben voilà, les gens ont été déçus et puis de la situation, ça a provoqué la crise de l'eschatologie. Puis je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai. En fait, quand vous réfléchissez à la situation, alors là, je vais vous demander de faire un petit effort de calcul. J'ai 52 ans. Quelle est mon espérance de vie? J'en ai encore pour combien de temps à vivre? Une quarantaine d'années au maximum, dans ces eaux-là? Hein? Ben pas tellement plus. De toute façon, ça ne vient pas à 5 ou 10 ans près. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Si Jésus n'est pas revenu, ben je vais mourir. Et la Bible nous dit, elle appelle ceux qui sont morts, elle dit ceux qui sont endormis. Vous savez, la mort, c'est comme un profond sommeil qui tombe sur nous. Si vous avez déjà vécu une opération, ben vous voyez, c'est comme un voile noir qui vient, hein, et puis on est en train de. On vous met le produit anesthésiant, et puis, hop, vous avez un voile noir, et vous êtes incapable de vous dire au moment de votre réveil combien de temps vous avez dormi. C'est juste. On pourrait vous dire que vous avez dormi pendant une semaine ou pendant une heure. C'est exactement la même chose pour vous. Il n'y a plus de notion de temps qui intervient là. Bien, figurez-vous que dès que nous allons mourir, nous allons nous réveiller aussitôt. Et Jésus sera là. Ce sera la fin des temps. Parce que si Jésus revient dans 500 ans, moi j'aurai dormi 450 ans. Mais ça n'a aucune espèce d'importance, puisque je n'ai pas la notion de temps qui intervient là-dedans. Vous voyez? Et c'est pour ça que chaque génération, eh bien finalement, elle n'a que le temps de sa génération pour faire l'œuvre de Dieu. Nous n'avons, nous, maintenant, que le temps qui nous reste à vivre pour accomplir les plans parfaits de Dieu dans notre vie. Après, ce sera trop tard. Jésus sera revenu. Vous voyez? Peut-être que Jésus reviendra dans 5 minutes et qu'on sera vivant, mais peut-être pas. Mais ça revient au même, puisque nous n'avons que le temps de notre vie pour accomplir ces choses. Donc vous voyez, il est bon ce sentiment d'urgence, parce que nous n'avons que le temps de notre vie ou de ce qui nous reste à vivre pour sauver les gens qui sont autour de nous, pour être des instruments de salut pour les gens qui sont autour de nous. Donc ce sentiment d'urgence, il est tout à fait légitime. Mais bref, je crois que nous sommes à la fin des temps et il y a un verset que j'aime beaucoup. C'est le verset dans Éphésiens qui nous dit que Jésus vient rechercher une épouse glorieuse, sans rides ni tache. Alors, il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de l'Église. Il est en train de parler de nous qui sommes ici, de ceux qui nous écoutent, qui aiment le Seigneur. Il est en train de parler de nous. Vous êtes bien d'accord avec moi? Il est aussi en train de parler de tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. L'Église, c'est ça. L'Église, ce n'est pas simplement ceux qui sont vivants et qui aiment le Seigneur, quelles que soient les dénominations, quel que soit l'endroit où ils sont. L'Église, c'est aussi tous ceux qui nous ont précédés et qui sont morts en Christ, qui sont morts dans la foi. Et il nous est dit que Jésus vient chercher une épouse glorieuse, sans rides ni taches. Petite question qui tue. Est-ce que vous vous sentez glorieux? Sans rides? Oh. Sans taches?
Pourtant, la parole nous dit que Jésus vient chercher une épouse glorieuse, sans rides ni taches. Ben moi, mon ministère, il est de préparer l'épouse pour ce moment-là. Et ce que je voudrais vous laisser, c'est cette dimension de gloire et que vous appreniez à vous voir comme Dieu vous voit. Que les yeux de votre cœur s'illuminent parce que, figurez-vous, que si vous n'avez pas conscience, si vous n'avez pas la conscience d'être glorieux, Christ nous voit comme glorieux. Christ nous voit sans tâche. Et donc il y a là un décalage, voyez, entre ce que nous ressentons, la perception que nous avons de nous-mêmes en fait, et puis la manière dont Dieu nous voit. Et le problème, c'est que la perception, la manière dont nous nous voyons, va influencer notre comportement et notre manière d'être. C'est pour ça qu'il est très important de réaliser et que les yeux de notre cœur s'illuminent sur cette dimension de gloire qui repose et qui est l'œuvre du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est en train de faire là maintenant. Alors on dit, il y a quelqu'un qui disait ceci, Jésus est en train de nous préparer une place. Le Père est en train de nous préparer une table. Et le Saint-Esprit est en train de préparer l'épouse. Et l'épouse, c'est nous. Et j'aimerais vous amener dans cette dimension de gloire. Là, je vous ai déjà donné la conclusion de mon séminaire. C'est de réaliser qui nous sommes en Christ. Qui je suis en Christ. Et il y a un très très beau verset qui dit « Tel qu'il est, tel nous sommes ». C'est dans 1 Jean au chapitre 4. Alors j'aurai l'occasion d'y revenir. Mais je reviens à notre verset, la monte ici. C'est ce que va dire cette voix, c'est ce que Dieu va dire à l'apôtre Jean, « Monte ici et je te montrerai ce qui va se passer. » Voilà ce que Dieu est en train de faire. Alors, dans l'histoire des réveils, je crois que chaque réveil a sa spécificité. Alors, par exemple, vous avez le mouvement de Pentecôte, qui est apparu en 1905-1906 à Sousa Street à Los Angeles. Et puis c'est un mouvement qui était basé sur la restauration des dons de l'esprit et plus particulièrement sur le don des langues. C'est pas que on ne parlait plus de dons des langues, mais on peut dire que l'Église l'avait dans sa très très grande majorité complètement perdu. Et puis là, l'Église le retrouvait. Mais il y a d'autres mouvements de l'esprit où l'Église redécouvre des choses. Par exemple, au moment de ma conversion, dans les années 80, dans les années 90, on a commencé à reparler des ministères. Ministères apostoliques, ministères prophétiques. Vous voyez, on redécouvrait cette notion d'apôtre et de prophète. Alors c'est vrai que parfois vous avez des gens qui sont bombardés apôtres parce qu'ils pensaient qu'ils avaient un appel, donc ils mettent sur leur carte de visite « Je suis apôtre parce que c'est l'appel de Dieu ». Ils n'ont rien fait du tout. Il faut mieux faire que de mettre sur sa carte de visite. Donc ça, c'est un petit truc. Cherchez pas à avoir des titres. Les titres, ils servent à rien. Mais il faut mieux être, même être sans titre, plutôt que d'avoir un titre et puis de ne pas être réellement ce qu'on prétend être sur des cartes de visite. Mais bref, à l'époque, il y a eu la restauration des ministères. On redécouvrait l'importance des ministères. Alors, dans nos milieux évangéliques, c'est pas passé très facilement.
Parce qu'on est dans des systèmes pyramidales, hiérarchiques, où c'est le pasteur et puis les anciens qui occupent la tête. Et puis là, parler d'apôtres et puis parler de prophètes ou d'autres ministères, ça pose problème. Mais en fait, on voit maintenant que les choses commencent à être facilement intégrées. Et ça fait partie, je pense, de la restauration de l'Église, la redécouverte des ministères et puis leur place dans l'Église. Puis il y a eu les mouvements charismatiques qui ont ramené d'autres dimensions de la vie de l'esprit, où on s'est rendu compte que le baptême de l'esprit, c'était pas simplement ou ce n'était pas spécialement le parler en langue, mais il y avait d'autres manifestations possibles. Mais vous avez entendu parler de Toronto, hein? C'est ce qui s'est passé à Toronto. Juste pour vous signaler que les manifestations étranges qui se sont passées à Toronto, mais figurez-vous qu'elles se passaient à Mâcon quelques mois avant de se passer à Toronto. Alors, c'est marrant parce que les manifestations bizarres de Toronto, vous savez, les tremblements, les rires, les pleurs, c'est quelque chose de très choquant. J'ai étudié ces choses et je me suis rendu compte, en fait, c'était des manifestations qui se passaient dans beaucoup, beaucoup de réveils, même chez Wesley, par exemple. C'est pas connu, mais Wesley avait des manifestations où, pendant ses prédications, des gens pouvaient tomber dans l'esprit, se mettre à rire, à pleurer d'une manière incontrôlable. En fait, il n'y a rien de nouveau. Je suis passionné aussi par le réveil des Cévennes, ce qui s'est passé avec dans la guerre des Camisards, ce qu'on appelle la période de la guerre des Camisards, des enfants. Mais c'était des manifestations. C'était Toronto 10 fois plus. Et à ce niveau-là, au niveau des manifestations à Toronto, c'était juste de la petite rigolade par rapport à ce qui s'est passé ici en France. C'est absolument extraordinaire. Mais l'Église a oublié ces choses. Et il faut redécouvrir cela. Alors, c'est marrant parce qu'on a focalisé sur les manifestations à Toronto. Mais vous savez, Toronto, ce n'est pas les manifestations. Il y a quelque chose de beaucoup plus précieux qui s'est passé à Toronto. C'est ce qu'on appelle la bénédiction du Père. C'est de redécouvrir Dieu comme Père. C'est toute cette dimension où Dieu est un Père. Et si Dieu est un Père, moi je suis son enfant. Et de la relation. Alors vous allez me dire, oui, mais on connaît ça, on connaissait ça. C'est vrai, mais quand il y a un réveil, il y a une emphase qui est mise, il y a quelque chose où Dieu vient éclairer ces choses en particulier. Vous voyez? Alors malheureusement, alors ça, l'Église a rejeté sans comprendre exactement ce qui se passait. Alors ça ne veut pas dire que tout ce qui s'est passé à Toronto était bien. En fait, si vous étudiez l'histoire des réveils, vous verrez que y a toujours du bon et du moins bon. Il y a toujours des bonnes choses qui se passent et des mauvaises choses qui se passent. Et ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas rejeter, on dit, chez nous, on dit ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Comprenez l'expression? C'est de ne pas rejeter tout en disant c'est mauvais ou c'est du diable. Ça arrive. Quand des chrétiens ne comprennent pas quelque chose ou que ça ne correspond pas à ce qu'ils ont toujours vécu, l'argument premier, c'est de dire c'est du diable. Frère, tu devrais savoir qu'il va y avoir un esprit de séduction. Et alors, on met la peur sur les gens et on est complètement à côté de ses pompes parce qu'on ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Et donc, il faut grandir dans cette manière de voir. Donc, j'étais là en train de vous parler des manifestations. Et je crois que Dieu, ce qu'il est en train de faire maintenant, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? Et alors, je ne prétends pas connaître tous les secrets de Dieu, mais le sentiment que j'ai, c'est que le réveil qui vient, ce que le Saint-Esprit
est en train de faire, c'est de travailler et de nous rendre notre identité. Et vous allez voir, je vais vous apporter des choses et j'espère vous bénir, vous éclairer à ce niveau-là. Et l'œuvre du Saint-Esprit, c'est de travailler sur notre identité. Ce que Dieu est en train de faire, c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans les enseignements que vous pouvez voir à l'église de Bethel avec Bill Johnson. Où tout ce que je vais vous partager, je l'ai repris d'un, enfin pas tout, mais une partie, ça m'a inspiré, c'est La Voix Royale. C'est un livre qui a été écrit par Chris Vallotton et Bill Johnson qui parle de cette dimension. Je vous le recommande chaudement, c'est très riche. Et je pense que c'est ce que Dieu est en train de faire, nous restaurer dans notre identité d'enfant de Dieu. Avec tout ce que ça implique, et on va pouvoir aller plus loin. Alors, c'est intéressant aussi de voir que l'apôtre Jean, il a reçu des révélations sur les sept églises, il a reçu des révélations sur ce qui se passait dans les premiers chapitres, hein, l'ange lui dit « Écris à l'ange de l'église un tel » et voilà, tu lui diras. Alors, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Et puis, il est toujours dit « Mais écoutez hein, ce que le Saint-Esprit, ce que l'Esprit dit aux églises. » Ça, c'est quelque chose d'important. Et puis, c'est comme si maintenant, Dieu lui dit « Monte ici parce que je vais te révéler quelque chose. » Et l'apôtre Jean, il nous a dit, il est saisi par l'Esprit. Une fois que tu commences à monter, Dieu te saisit et il va assister à des visions absolument incroyables. Il va avoir des, même effrayantes, des bêtes avec plein d'yeux sur le corps, des situations. Ben, je ne voudrais pas voir ça. Hein. Et puis vous avez des bêtes assez étranges. Et alors, on est dans un contexte. Vous remarquez, on est aussi dans un contexte d'adoration. Ça, vous pourrez lire chez vous ces chapitres qui vont suivre, le chapitre 5, le chapitre 6. On est dans l'adoration avec des cantiques qui sont chantés et des choses très précieuses qui sont révélées là. Mais Dieu est en train de se préparer une épouse glorieuse. Alors, cette histoire de monter et de... Donc je reprends le verset, il dit « Après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte dans le ciel. » Et ça m'a fait penser à l'échelle de Jacob. Ce fait de monter au ciel. Vous savez que l'échelle de Jacob, c'était aussi une vision que Jacob a eue à Bethel. Puis Dieu va se révéler à lui dans son rêve. Il va voir une porte et un escalier ou une échelle. Et il nous est dit avec des anges qui montent et qui descendent. Alors, chose très intéressante, c'est que dans l'évangile de Jean, on nous dit que cette fameuse échelle de Jacob, figurez-vous que c'est Jésus lui-même. C'est le Christ. L'image qui est reprise, alors je peux, c'est dans 1 Jean, Jean chapitre 1, verset 51, et il lui dit en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, vous voyez, on retrouve le ciel ouvert, la porte qui est ouverte, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Et alors, ce que je veux retenir de cela, c'est que c'est Jésus qui est le chemin d'accès pour aller vers le ciel. C'est quelque chose de basique, hein? Mais nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. On ne peut pas rentrer dans les secrets de Dieu, on ne peut pas rentrer dans les révélations de Dieu sans passer par Jésus. C'est Jésus qui doit être le... Si quelqu'un vous dit « Oui, j'ai eu des révélations, mais c'est sans Jésus », ça pose un problème. C'est Jésus qui est la porte d'entrée pour aller au ciel, pour être réconcilié
avec le Père. Et c'est quelque chose qu'il faut bien poser dans notre recherche, dans des choses spirituelles. Parce que Dieu veut nous entraîner dans une dimension qui nous dépasse complètement, mais c'est toujours en passant au travers Jésus. D'accord? C'est quelque chose d'important. Et là, l'apôtre Jean voit une activité angélique, des manifestations de gloire, des éclairs, des voix, des coups de tonnerre. Et Dieu nous appelle à monter. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Dieu ne nous appelle pas à rester dans une dimension purement matérielle. Non pas que le matériel soit mauvais, le matériel est une bonne chose, mais Dieu nous appelle à monter et à être dans sa présence. Voyez pourquoi tout à l'heure je vous rendais mon témoignage et je mettais de l'importance sur la louange et l'adoration, parce que je crois que c'est une clé pour monter dans la présence de Dieu. On n'a pas besoin spécialement d'instruments de musique, on n'a pas besoin spécialement de beaucoup de choses. En fait, chacun d'entre nous, nous avons trouvé ce qui nous va bien. Peut-être que vous aimez bien la musique classique, mettez de la musique classique, mais montez dans la présence de Dieu. Peut-être c'est des chants comme Hillsong ou d'autres. Mettez ces chants pour monter dans la présence de Dieu. Peut-être c'est du calme que vous avez besoin. Nous sommes tous différents. On a nos petits trucs. Mais Dieu nous appelle à monter dans sa présence. C'est là, en fait, c'est là qu'est notre place. Et c'est une des choses que je veux vous laisser. Si vous voulez grandir dans les révélations, si vous voulez grandir dans les choses que le Saint-Esprit est en train de faire, il faut absolument monter. Il faut élever son cœur. Il faut juste, en fait, c'est une question de positionnement spirituel. C'est de dire, je me tourne vers toi. L'image que j'ai parfois quand je cherche la présence de Dieu, c'est l'image des tournesols. Vous savez, quand vous avez le soleil qui se lève, on voit la plante qui se tourne et puis qui va suivre la trajectoire du soleil. Mais c'est à ça que Dieu nous appelle. Il faut être des êtres qui sont sensibles à la présence de Dieu et capables de voir où est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et je tourne mon cœur vers Dieu. Et rien que de vous le dire, ça me fait du bien. Rien que vous en parler, ça me fait du bien de savoir comment faire. Monte ici, parce que c'est là que Dieu t'appelle.